La princesse a quitté le rocher depuis le mois de mai. Les rumeurs vont bon train sur l'état de santé de la princesse et sur son couple. La princesse Charlène a quitté Monaco pour son Afrique du Sud natale depuis maintenant plus de 5 mois. De quoi inquiéter les monégasques, raconte-t-il au micro de BFM TV. C'est rare de voir une princesse si loin de sa principauté. On serait content de l'avoir à Monaco, témoigne un habitant du Rocher. On lui souhaite de se rétablir très vite et de revenir, déclare une autre. Sur le Rocher, les rumeurs vont bon train sur l'état de santé de la princesse et sur son couple. Une femme ne quitte pas son mari pour rien, donc il se passe quelque chose pour qu'elle le quitte 6 mois, insiste une passante. C'est quand même surprenant, s'amuse un badaud. Surtout en si peu de temps de mariage. C'est vrai que ça surprend un peu, on nous raconte des carabistouilles. Selon la version officielle, la princesse Charlène de Monaco souffre d'une infection des oreilles, du nez et de la gorge contractée en mai. Elle aurait été opérée à plusieurs reprises en Afrique du Sud et serait interdite de prendre l'avion. Une version pas très convaincante, assure Alix Giraudelin, éditorialiste au magazine Elle, c'est un petit peu un panier de crabe, c'est un peu amour, gloire et beauté sur 2 km². On nous raconte des carabistouilles. Anciennes nageuses, Charlène Lynette Whitstock, née en 1978, a épousé le prince Albert II de Monaco en 2011. Les 10 ans de mariage n'ont pas pu être fêtés en juillet en principauté en raison de l'absence de Charlène. Charlène de Monaco a subi une intervention chirurgicale qui s'est très bien passée. Les Monégasques attendent désormais avec impatience le 19 novembre, date de la fête nationale. Si Charlène n'est pas de retour ce jour-là, son absence scellera officiellement sa rupture avec le clan Grimaldi, estiment les Monégasques.